dois vous dire que c'est avec beaucoup de peine, avec consternation que j'ai reçu cette triste nouvelle. Et oui, on espérait que, étant évacué en Europe pour des soins appropriés, il allait nous revenir plein de santé pour être toujours avec nous comme une référence. Hélas, le Seigneur en a décidé autrement. Il a appelé à lui. Le cardinal Laurent Monsengwo a fermé ses yeux à la lumière de ce monde pour les ouvrir à la lumière de l'éternité. J'ai eu le bonheur de travailler avec ces géants de notre histoire, de travailler avec cet éminent pasteur, un homme aux multiples talents. On connaît le cardinal Monsengwo comme un grand pasteur infatigable. Il a été professeur ici à l'université catholique à l'époque, hein, Lovanium, à la faculté de théologie. C'est un des professeurs à la faculté de théologie. Et puis après, devenu président de la SENCO, il était le grand chancelier de l'université catholique. Aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que, par exemple, à l'Institut de théologie catholique des jésuites à Abidjan, il y a une chaire cardinal Monsengwo, hein, sur les études bibliques africaines. Ici même, à Kinshasa, l'Université catholique du Congo, avec la faculté de théologie et les grands séminaires Jean 23, ont créé la chaire cardinal Monsengwo. Voilà, poursuivre les recherches sur le domaine de l'inculturation, de la lecture africaine de la Bible, voilà. Et puis, il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui s'est investi, qui s'est donné pour le rayonnement de notre université. Lui-même, parfois on ne sait pas, il a pris en charge les études des jeunes. Ici, il y a des étudiants qui ont leurs frais de scolarité payés par le cardinal Monsengwo. Un homme d'une grandeur de cœur. Le cardinal Monsengwo s'est consumé en donnant sa vie. Puisse cette vie aujourd'hui fleurir, car tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. Et l'amour semé par le cardinal Monsengwo, dans le cœur de tant d'hommes et femmes, dans le cœur des Congolais et des Congolaises, dans le cœur des Africains et au niveau international, avec Pax Christi, il est docteur honoris causa à l'Institut catholique de Paris. Cet amour semé pour mettre l'homme debout fleurira et nous sommes les héritiers d'une lourde tradition qui nous lègue. Puisse le Seigneur l'accueillir dans son royaume, puisse le Seigneur faire briller sur lui la lumière de la vie éternelle et qu'il lui accorde la récompense promise au bon et fidèle serviteur.